Salut YouTube, on est parti pour l'épisode 2 sur Kingdom Hearts, notre incroyable aventure continue sur Kingdom Hearts 3 ou Kingdom Hearts 3, let's go, on va continuer. Sur le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On était dans le Colisée avec Hercule, on avait déboîté des gens, on avait sauvé des gens et puis on s'était arrêté là, on avait sauvé des gens dans le Colisée, on va continuer à partir de là, let's go. Sora n'est pas le seul à avoir perdu la majeure partie de ses pouvoirs, Dingo et moi, on est un peu dans le même bateau. Ça c'est Donald sur Instagram, hein. Ah, Donald sur Instagram, il lâche l'hashtag, hein. Hashtag Sora, hashtag Donald, hashtag Dingo, hashtag c'est parti pour un tour. Ah, Donald, c'est un coquin, hein. Sur Instagram, je peux vous dire qu'il envoie du lourd. N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs, hein. Je vous mets son Instagram dans la description, c'est totalement faux, faites attention. Ok, nous revoici à Thebeth. Yes, Donald, on peut toujours compter sur lui pour qu'il nous dise les choses à faire avec sa petite voix merveilleuse. On continue, on avait sauvé du monde vers ici. Voilà, c'était ici qu'on avait sauvé du monde. Alors, comment on fait déjà? Ça, c'est rond pour sauter. Ok, excusez-moi, je reprends un petit peu les touches. Ok, paf, pif, paf, pouf. Ok, très bien. Là, on peut monter. Waouh. Ok, je vois qu'on peut monter par ici. Bah, montons, non? Non, on peut pas monter? D'habitude, quand c'est en surbrillant, c'est qu'on peut monter. Ok, ça doit être justement pour faire ça. Et là, si je me lâche, je vais absolument pas vite. Ok. Très bien. Donc, c'est toujours la merde dans le monde d'Hercule. Toujours la merde dans le monde d'Hercule. On va essayer de gérer tout ça. Oh là 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 là, quelle glissade du joueur français. C'est magnifique. Ok. Vérifions un petit peu partout. Hein, les pots à casser, les choses comme ça. Très bien. Là, on peut monter sur le mur. Nouvelle mécanique de Kingdom Hearts. On n'oublie pas. Oh là là. Oh là là. Attendez. Ok, comment les vaincre sur le mur? Parce que j'ai l'impression que si on lâche, hop, on tombe. Ok, donc faut toujours être en mouvement sur le mur. Ça a l'air compliqué. Ok, comment on attaque déjà? C'est comme ça, bam, 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 les trucs. Oh, boum, c'est comme ça, parfait, ok, je m'en rappelle. Ok, on est reparti. Salut Lilian, comment vas-tu? N'hésitez pas à rejoindre sur le let's play, le live, si vous regardez ça sur YouTube. Twitch, Twitch.tv/IronLou, hein, en live tous les jours de 11h30 à 14h et 20h à minuit. Si vous voulez passer, ça ferait extrêmement plaisir. Comme ça, vous pourrez discuter avec toute la communauté, cette gentille communauté. Voilà, ok, Donald est en train de les défoncer et ça fait extrêmement plaisir. Eux, j'ai un peu peur de les attaquer. Alors attends, est-ce qu'on essaye des trucs de ouf ou pas? Ok, je suis complètement dans la merde. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Ok, donc par exemple, on va les avoir avec des sorts. Attention, frère. Hop. Hop, toi, tu vas prendre... Non, c'est comment? Brasier, c'est carré. Ok, boum. Tu prends cher dans ta race. Par contre, faut décéder un moment, monsieur. Hein. Va peut-être falloir penser à décéder. Non, ils s'en battent les couilles. Vraiment, ils s'en branlent. Ok, on change, hop. Boum, le brasier qui passe à côté. Boum, le brasier qui passe à côté. Ok, et là, on envoie l'eau. Boum. Ok, super. Super, Dingo, il a augmenté sa défense. C'est tout ce qu'on demande. Lancer de Dingo, qu'est-ce que c'est? Ah oui, on l'avait déjà fait. D'accord, inutile, totalement inutile. Si vous voulez faire des choses inutiles, appelez-moi, n'hésitez pas. Donc, on était monté. Il y avait un petit coffre. J'ai pas loupé le coffre, vous inquiétez pas. Très bien, hop, méga potion, ça fait plaisir. Ah, ça se tape encore. Franchement, Donald et Dingo font vraiment le taf. Allez, on est reparti, on va casser des bouches. Hop, boum, boum, ça va mieux au niveau du son. Ouais, je suis en train d'envoyer, mais j'ai plus de MP, donc faut que je fasse gaffe. Non, franchement, ça donne envie, les petits sorts comme ça, ils donnent grave envie. Toi, tu vas prendre cher. Ouh, ça commence à partir. Est-ce qu'on a une attaque spéciale? Pas encore. Attaque spéciale Dingo, là, le lancer de Dingo, il est pas prêt. Ok. On va garder un petit peu nos MP. En bas à droite, vous voyez les MP à côté de notre vie. Ce sont les points de magie, hein, magic point. Donc on va essayer de les garder, de les économiser gentiment, parce qu'on aura peut-être besoin plus tard. Oh là là, Donald, il est en train de... Oh là là, il casse des darons. Regardez, oh là là, il casse des darons, Donald, mais il est pas venu là. Ah, il veut pas finir en maigret. Ah, je te le dis, il veut pas finir en maigret. Il a dit, moi, je les encule tous. Hein, il y a du feu, il y a pas de feu, j'en ai rien à foutre. Je les défonce. Très bien. Continuons. Alors, allons par la droite. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs à casser. Ah non, alors... Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire avec ces espèces de petites statues, parce que je pense qu'elles ne sont pas là pour rien. Mais bon, j'ai essayé de les défoncer, ça fait rien, donc... Yes, on peut apercevoir les Magic Pointettes. Ouais, je viens quoi?
Je vous ai sauvé, vous inquiétez pas, toi et ton fils. Je sais. Calme-toi. Vous avez obtenu des objets potions. Vous avez que ça à nous donner à chaque fois? Y a pas de l'oseille? Non, parce que je fais pas ça gratuitement. Hein. Si c'est juste pour des potions, allez vous sauver tout seul. Hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que Donald et moi, enfin Dingo aussi, on est des professionnels, madame. Hein. Reçu céleri. Et si on a du céleri, on sait ce que ça veut dire. Ça fait extrêmement plaisir de bien manger. Très bien. Est-ce qu'on va dans les flammes ou est-ce qu'on va vers là-bas? Vers là-bas, il y a des bouches à casser. Hein, on va pas se mentir. On va y aller. On va y aller. Toi, tu fais trop le fou. Je te jure, tu voles depuis tout à l'heure. Tu fais le fou. Alors attends, toi t'as bien de la chance. Lancez Dingo, c'est parti Dingo. Allez Dingo, Dingo il est des attaques d'enfoiré, hein, je te le dis. Allez viens là, hop. Éclate-lui sa mère. Bien joué ça. Boum. Boum, très bien. Très bien. C'est quoi ces petits trucs par terre, c'est des potions? Boum. Allez, mange ça. Les combats sont vraiment pour l'instant faciles, mais en même temps très, très excitants si je puis dire. Donald il court comme dans tout qui est le fou. Donald le stretch. Ok, bon on va aller vers les flammes. Est-ce qu'il n'y a pas une porte à ouvrir ici? On peut pas ouvrir une petite porte? Attends, il y a des trucs à casser. Et moi vous savez que j'adore récupérer des citrons. C'est ma passion. Hop, des citrons, j'adore ça. Fais péter la citronnade, je peux te dire. Ah, là on va faire de la luge. C'est le moment de trio luge. Let's go, trio luge. C'est violent le gameplay, t'as vu ça? Moins de 18, hein. Hop, le petit saut avec Dingo et Donald. Ça va être... Aïe, coup dur. Coup dur pour les jeunes joueurs français. Ça va Dingo, t'as rien pris dans la gueule? C'est bon, tu vas bien? Parfait mon petit pote. Donald, ça va? Les petites plumes, toujours en place, ça fait plaisir. Allez, on y va. On y va, on est parti. Wouh! Attention, le petit saut. Yes. Quelle belle trioluge. Ok. Est-ce qu'on a des MP? On a des MP, on va pouvoir s'amuser. Allez, un petit peu d'eau. Un petit peu de brasier, un petit peu d'eau, un petit peu de brasier. Hop, je vous allume, je vous éteins, je vous allume, je vous éteins. Hop, voilà, boum, 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 boum. Il est où Donald? Donald il est en train de tous les défoncer encore une fois. Dingo, Dingo, tu sers à rien frérot. Je vais pas te mentir, t'es le maillon faible dans cette équipe. Yes. Boum. Oh là là, quelles belles attaques de Sora. Boum. Wesh, il est parti s'enterrer où lui? Qu'est-ce que tu fais frérot? Très bien, éclat grand dent. On a reçu un éclat grand dent. Ou j'ai peut-être mal lu, peut-être gradient, je sais pas. Ouais, tous des GG à Lord Bâtard qui est passé amateur 3 sur Touquet, ça c'est quelque chose de beau. Allez! Non Lilian. Oh, Hercules! Je vous mets un peu plus de saut pour la cinématique. You take them. We need to save these people. Hurt, can you hold the building? No problem. Donald, Goofy, we gotta do this quick. Goofy, c'est vrai, c'est pas Dingo, c'est Goofy en anglais. On est parti les gars, on baisse le son. Ah, ok, magie puissante. Oh lolo, nouvelle mécanique de gameplay. Au fur et à mesure que vous utilisez la magie pour infliger des dégâts aux ennemis, une jauge située au-dessus du menu commande va se remplir et afficher une commande contextuelle pour la même magie à un niveau supérieur. Il s'agit de la magie puissante. L'utilisation de la magie puissante ne puise pas dans les MP et ça c'est beau. Je rêve où il s'appelle Goofy. Non, je confirme, il s'appelle Goofy dans la version anglaise. Donald Goofy. Enfin, Donald et Goofy. On est avec Donald et Goofy. Bref, allons-y. Changement de forme. Ah, là on commence à attaquer dans du lourd. Au fur et à mesure que vous infligez des dégâts avec votre Keyblade, une jauge située au-dessus du menu de commande va se remplir. On l'a déjà lu. Ah non, changement de forme, verte, ok. Appuyez sur triangle pour utiliser la commande. Une fois que le changement de forme effectif, hein, ok, vos combos sont plus puissants et vous avez accès à une technique de fin dévastatrice qui peut être activée en appuyant sur triangle. Le changement de forme prend fin une fois que vous avez utilisé la technique de fin ou que le temps est écoulé. Yo reptile, bienvenue à toi. Alors, lancer de Dingo. Bon, ça franchement, je t'ai pas attendu pour le connaître. Par contre, il va faire mal celui-là. Celui-là, il va faire extrêmement mal. Boum. Ça fait plaisir. Ok, on peut continuer. Ah, eux, il leur faut de l'eau. Regardez, je vais les éteindre. Ice on fire, je vais les éteindre. Wesh, c'est passé quoi? C'était quoi cette tornade?
bien joué. Hop, toi je t'éteins gentiment. Toi là-bas, hop, je t'éteins gentiment aussi. Les petites merdes là. Ah ça c'est vraiment des petites merdes. En attente, seconde forme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nouvelle mécanique. Quoi? Dôme d'impact. On est parti. Wouh, chamé. Ok, c'était juste pour tester, mais chamé. Chamé, je pense qu'on peut faire des choses sympas avec ce petit triangle. Voilà, hop. Qui veut de l'eau? Qui veut de l'eau? C'est ma tournée, c'est moi qui régale. Faites pas de coma hydraulique les gars, on est là. Hop, en attente, seconde forme, on est parti mon petit pote. Rac, hop, hop, on se met au milieu de tout le monde et on balance. Voilà. Fusée d'anatonium, qu'est-ce que c'est que cette merde? Wouh. A mon avis c'est pas anatonium mais plus atonium, mais j'ai, comme je lis... Je lis n'importe comment, faudrait que je retourne en 6ème. C'est pas grave. Il y a du monde, il y a du monde. Ça c'est pour tester la nouvelle magie, c'est normal qu'il y ait du monde. Ok, qu'est-ce qu'on a? Dôme d'impact, on connaît. Boum! Voilà, ça fait plaisir. On connaît le dôme d'impact. Maintenant j'aimerais voir autre chose. S'il te plaît. Boum, 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 boum. Tellement kiffant les phases de combat, je peux te dire. Aïe, aïe, aïe! Non, Sora a été touché, on envoie. Qu'est-ce qu'il fait lui? On envoie de l'eau, on envoie de l'eau, il est fou quoi. On envoie de l'eau, seconde forme, on est parti. Hop, voilà, Super Saiyan, donne l'impact, on est parti, boum. Allez hop. Aïe. T'as cru t'étais qui toi? Très bien. Lancer de dingo, on est parti. Putain ça c'est bien, quand on va avoir des attaques d'enfoirés les potes, ça va être monstrueux les combats. Boum, dingo, vas-y. Voilà. Oh là là, dingo quand il atterrit mon petit pote, il casse des bouches hein. Il casse des bouches. Alors vite Sora, je commence à lâcher prise. Non. Oh, qui a fait? C'est dingo qui a donné le coup de massue suffisant à les défoncer. Et ça, c'est beau. Bravo, Goofy. Get the people out. Un petit peu plus de son. Ok. Are you guys all right? You need to get to safety. Hurry. Go, quickly. Oh non, Hercules! J'ai confiance en Hercules. Crois-moi qu'il va sortir. Hercules! Mais non, vous inquiétez pas. Oh? Oh? Oh, c'était inattendu. Ouais. Yes. Je veux du bravo dans le chat. Bravo pour Hercule. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh wow, very nice. Oh marks. No organization. You're Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close!
Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. J'arrive pas à faire sa voix, je kifferais. What reward? C'est ce qu'on va découvrir, les gars. What reward? C'est ce qu'on va découvrir. Ok, on est avec Hercules, on a sauvé du monde. On nous appelle les pompiers 2.0. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses à péter par hasard? Attendez, arrêtez de me suivre partout là. Laissez-moi vivre ma vie en paix, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Ah là là! Chanterelle reçue, ça fait plaisir. Très bien, chanterelle reçue. Ok, c'est bien de fouiller. Hein. Il faut fouiller, c'est important. C'est important. S'il a regardé derrière, peut-être que ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'on vient de là, nous? Attendez, parce que je vais pas du tout dans le chemin qui... le chemin logique. Je vais pas du tout dans le chemin logique. Là, on est arrivé, on s'est tapé, non? C'est pas là? Attendez, je vérifie. Là, ouais, là, on a fait de la luge. Ok, c'était par là qu'on est arrivé. Ok, lourd. Sora, il s'est barré direct, il s'en balait avec moi, là, je te jure. Je te jure. Il est arrivé, il est sorti, d'abord, il a sauvé sa peau, il a fait... Oh non, Hercule! Une fois qu'il est sorti, tout le monde aurait fait pareil. On va pas le blâmer pour ça, tout le monde aurait fait pareil. C'est le seul à se battre avec une clé, donc on le respecte. J'arrive qu'on prenne ce fou de Donald. C'est un fou, Donald, c'est bon. Oh, des cèpes! Eh, ça, mon petit pote! Des cèpes! Que ça soit dans une omelette ou dans une petite sauce pour un steak, je peux te dire que les cèpes, c'est toujours bon. Et ça, c'est parfait qu'on en ait. Je peux te dire qu'on va se faire un steak. Ça va envoyer du lourd. Alors pourquoi on peut monter là? Peut-être pour monter là. Yes, effectivement. Pour monter là, pour aller, hop. Ah oui, il faut taper la harpe, c'est vrai. Toujours taper les instruments de musique, c'est important. Ensuite, on tape un ça. Voilà, on est là, on est de ce côté. On casse un petit peu tout ce qui se trouve. Pour récupérer des petits losanges. Des munis, voilà, des munis, c'est ça. J'allais dire des petits losanges, mais non. Ah, on a quelque chose là, on a un petit coffre. Ça fait plaisir. Booster PC, ok. Yes, on y va. On continue, on pète tout ça, on pète ça, et là on prend le petit coffre, 15 munis, hop, fait péter de la potion, ah, super, j'en ai pas déjà 50 000. Ok, faut le péter ça, laisse-moi faire, on m'appelle le démolisseur. Il y avait un coffre? Ah oui, bah, je l'ai pris. Oh là là! Ok, un boss, let's go. Attraction, c'est ça que je vous parlais dans le premier épisode. Je vous ai dit qu'il y a des attaques qui ressemblent à des attractions de Disney. Alors pour ceux qui ont été au manège Disney, enfin au parc Disneyland, ça va vous faire kiffer si vous n'y avez jamais été. Je pense que vous avez déjà entendu parler des attractions et vous allez les voir là. Peut-être que ça va vous donner l'eau à la bouche et vous allez y aller. On verra, on y va. Face aux ennemis, il se peut qu'un cercle vert s'affiche autour de l'un d'entre eux. Attaquez l'ennemi indiqué pour qu'une commande d'attraction verte apparaisse. Appuyez sur triangle pour l'utiliser. Les attractions sont des manèges incroyables qui frappent sur une large zone. Leur apparition dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ok. Attends, parce que là, ça commence à faire... Waouh. Déjà, bonjour. Pour commencer, s'il te plaît, la politesse, je sais plus sauter. Ok. On va pas se faire défoncer par le premier boss. Hein. On va commencer par se calmer, on défonce les petites merdes. Ok, bateau pirate, let's go, bateau pirate, on commence par ça, on va voir un petit peu ce que ça donne, j'ai complètement chié le bateau pirate il me semble. Oh je l'ai chié, je pensais qu'il allait aller vers lui, attaquer, frère viens devant s'il te plaît. Frère viens devant s'il te plaît. Oui parfait, là t'as géré là. Et la coupe grasse. Ah d'accord, on peut faire ça, ok, bon, très mauvaise utilisation du bateau pirate pour l'instant, on va s'améliorer, wow. Arrête ça tout de suite, t'as pas envie que je t'éclate. Ouais, il m'a mis aller-retour, regarde Hercule, boum dans ta gueule, bien joué Hercule. Seconde forme, on est parti en seconde forme, ok. Oh putain l'enfoiré. Attention, il va faire sa toupie de merde. Esquivons, il va faire sa toupie. Ok, on est parti pour le lancer de dingo, t'es chaud dingo? Est-ce que t'es chaud dingo? C'est parti.
Tu sais où tout va, mon dingo. Tu sais où tu vas. Boum. Bien joué, dingo. C'est ça que je veux voir. Y a pas d'HP sur ce bonhomme là. Ok. Oh, Donald, il s'est pris. Oh, le pauvre Donald. Non. Putain, non, c'est carré, putain. Oh là là. Oh, j'ai plus de vie. Attends. Objet. Comment j'utilise une potion, sa mère? Potion, c'est rond. Pourquoi je peux pas utiliser de potion? Je vais décéder dès le premier boss. La nullité du gars est impressionnante. Ah, ça va, dingo, il m'a redonné de la vie. Franchement, dingo, il assure. Lancer équipe épique. C'est quoi lancer épique? Oh, avec Hercule. Lourd par contre, de ouf. Oh, c'est chambé ça. En plus, je peux me déplacer. Regardez, il y a le coup de grâce qui va partir dans peu de temps. Prends ça. Coup de grâce. On l'a défoncé. Hercule et moi, on fait une équipe. Je peux te dire qu'on est comme ça. On est comme ça. Ah, il est là. Comment il s'appelle, le Valcheux, déjà? Je me rappelle plus. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Oh, look. More trouble. C'est normal. It's Hades. Eh oui. Oh, ils sont déter. Herc, let's go. Oh, il y a de la détermination dans l'air. Let's go, Herc. Allez, on monte Olympe avec Hercule. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on a un petit peu ici. D'abord, fouillons la zone parce que je t'avoue que j'ai pas eu le temps de la fouiller avec le gros boss. Comment ça? Ah oui, je suis dans... Ok. Paf. Très bien. Ok, on commence à voir un petit peu toutes les mécaniques de combat entre les attaques avec les coéquipiers et les attaques en forme de parc d'attractions. Tout ça commence à prendre sens, à prendre forme. Et ça va être extrêmement chambé pour la suite. Ça se casse pas, très bien. C'est vrai qu'on peut faire la fluidité là. On avait dit hop. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Pas du tout. Bon, on va pas faire tout l'Olympe pour retrouver juste un petit coffre. On va avancer gentiment dans l'aventure, dans l'histoire. J'espère qu'en tout cas vous kiffez. Que pour l'instant ce let's play vous met en joie et vous rappelle quelques souvenirs. On va sauvegarder. L'option choisir une zone a été déverrouillée. Vous pouvez désormais l'utiliser. Ok. Sauvegarder. Choisir une zone. Donc attends, du coup. Du coup, on peut choisir une zone où aller. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Et ça, c'est quoi? Ah, mais oui. Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, ça, c'est le vendeur. Alors, acheter. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des ceintures, des tentes, des potions, des panacées. Dissipe tous les effets négatifs d'un coéquipier. Et confère une immunité temporaire à notre compétence. Augmente très légèrement l'attaque et légèrement les PC max. Attaque 1, PC 10. Est-ce que ça vaut le coup de lâcher 300 munis pour ça? Je ne pense point. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi, Atelier Mog? Créer des objets et plus encore. Création d'objets. Dans la boutique Mog, pensez à visiter l'atelier pour utiliser le matériau de fusion. Ah oui, j'en ai récupéré pas mal. Que vous avez récupéré afin de créer de nouveaux objets. Défi de collection. Lorsque vous visitez l'atelier, vous laissez automatiquement les matériaux de fusion que vous avez récupérés au Mag. Ou au Mog. Je dis Mag, mais c'est Mog en fait. Vous obtiendrez des récompenses en fonction des matériaux que vous aurez trouvés. Très bien. Alors, les matériaux de fusion que vous récupérez sont conservés ici dans l'atelier Mog. Défi réalisé, le Mog vous a donné Ether. Très bien. Défi de collection réalisé, vous avez déverrouillé de nouveaux objets à créer. Parfait. Alors, création d'objets. Ah, pas mal, ok. Et donc, il faut de l'éclat de mithril, la pierre glaciale et de l'éclat glacial pour faire tout ça. Ok, bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Je ne peux absolument rien faire. Mais c'est pas mal, on a vu encore une nouvelle mécanique, c'est cool. Très bien. Du coup, on y va, on avance. Oh, il y a plein de petits points autour de moi. Quand c'est le noir, c'est normal. Le fond vert est un peu en PLS, mais là, ça va. Eh, t'as raison, Goofy. Allons-y, mon petit Goofy. Attends, c'était quoi les trucs bleus, là? Ok, c'est rien du tout. Ah, il est tombé. Mais arrête de faire le con, enfin, Goofy. Je vais l'appeler Goofy, hein. C'est fini, dingo, c'est Goofy, maintenant. Ok, brasier. Oh, merde.
Merde, attends. Attends, déjà on pète tout, voilà, parfait. Boum boum boum. Attention, attention. Voilà, on tombe pas. Hercule, Hercule, j'étais sur ton rocher par contre, frérot. Hein. Tu feras attention la prochaine fois. Ok. Ah, l'eau, ça me fait perdre la vie. Arrête un peu, ça fait pas perdre de la vie l'eau, tu vas pas me mentir. Pas à moi, Sora. Ok. Donald, regardez Donald. Donald, fais quelque chose, frérot. Fais quelque chose, sors de là, Donald. Bon, allez, on avance. Hein. Tu te démerdes, Donald, tu viendras plus tard. On n'a pas le temps. Hop. Au contraire, l'eau, ça fait du bien. Bah ouais. Carrément. Ouh, là, va falloir envoyer le brasier, là. Là, je te dis qu'il va falloir envoyer le brasier parce que... Ouh, ça balance de l'eau sec. Là, j'ai pas encore l'habitude de... Merde. Mais regarde le bruit. Je suis en train de péter un plomb. Ok. C'est bon, ça va. Lancez épique. Let's go. On est complètement dans l'eau, on voit rien. Mais c'est parti. Non, non, non. Hercule, remonte. Remonte, mon petit pote. Remonte. Non, c'est pas le moment, Hercule, tu nous fais quoi là? Hercule, t'as fait n'importe quoi. C'est pas grave, ils sont tous morts, c'est parfait. Hop, ça c'est pris, on continue d'avancer. Oh, ils sont encore là, fait chier. Oh, j'ai plus de MP, ok, c'est la merde. Va falloir se taper like that. Putain, c'est rond, à chaque fois j'appuie sur carré pour sauter, ça va pas du tout. Oh, brasier. Wouh, ça c'est beau, seconde forme, directement. Ok, toujours regarder. Hop, Dome d'Impact, c'est maintenant. Boum. Ok, toi je t'éclate. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des bails sombres, des bails chelous. Ok. Ok, on va bientôt pouvoir faire une nouvelle attaque. Ok, on va prendre notre seconde forme. Lourd. Seconde forme, c'est parti, c'est maintenant. Rack, Super Saiyan enclenché. Hop, Dome d'Impact, c'est maintenant. Boum. Ça servait à rien, ils étaient tous là en fait. Ah, ils se protègent avec l'eau, c'est tout mignon. Lancez épique. Vas-y, viens Hercule. Viens Hercule. Là, on est parti, mon pote. Ok, ils sont où les autres? Ils sont où les autres? Ah, ils nous esquivent. Ils sont où? Ils sont où? Ça sert à rien. Frérot. Ils sont là, ils sont là. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Coup de grâce. Coup de grâce. J'avoue, en plus, c'est un canard. Il doit se démerder dans l'eau, Donald. Oh la belle esquive! Wouh! Let's go! C'était compliqué, hein. Quand il vole, c'est compliqué. Donald le pauvre. C'est un canard, il est pas censé savoir nager. Si, si, mais il était un petit peu en galère pour remonter la rivière. Allez, let's go! Seconde forme, ça ne sert à rien pour l'instant. J'ai vu un coffre. Il m'a montré un coffre. Hein, pendant que je lis le chat, j'arrive quand même à voir ce qui se passe. Où est-il? Où est-il? Il m'a bien montré un coffre, non? J'ai halluciné! J'ai pas envie de passer à côté. Ça aurait pu être une occasion en or. Ok, bon, bah tant pis. Ça fait 30 minutes? Ah oui, 36 minutes, exactement. Bon, on va s'arrêter là, YouTube. On se donne rendez-vous pour l'épisode 3 qui sortira dans 2 jours. Merci d'avoir suivi. Lâche un petit like si jamais tu veux la suite. Et puis voilà. Bisous, YouTube. Ciao, ciao. Believe.